Ouais, je suis arrivé à la porte du paradis. Oh, c'est grand ici. Mais attends, il y a mon frère. Yo, mon frère. Salut, mon fils. Moi, c'est qui devant? Et moi, c'est Johnny. Ah, Johnny. Ouais, mais ça fait longtemps que tu attends devant? Ouais, un quart d'heure à peu près. Il y a la zip devant. Mais justement, tu entends? Ouais, c'est le soir. Mais c'est pas comme les églises d'en bas. Moi, je croyais que le paradis, ce serait le même style avec les bancs poussiéreux, les gens qui sont là. Là, il y a l'ambiance avec les gens. Non, en fait, moi, tu sais, quand j'étais en bas, je pensais pas tellement au paradis, tu vois. Ah, okay. Mais pourquoi on n'entre pas, là? Mais t'as pas vu le gars, là? Baraké, là. C'est un videur. Ok. Il s'appelle Pierre. Pierre? Ouais. Et tu dis que c'est un videur? Oui, c'est un videur. Non, mais les videurs, ça fait sortir les gens. Alors que nous, on veut rentrer. Ben ouais. Donc, tu veux comme ça, on peut y aller. Ok. Bon, on va le voir. Salut Pierre. Ah, salut Pete. Enfin, moi c'est Bill, voilà, lui c'est... Moi c'est Johnny, mais Johnny. Tu peux m'appeler Joe. Hein. Ok, Joe, voilà. Est-ce qu'on peut entrer, Pierrot? Ouais. Hein? Ah oui, bien sûr, il faut une invitation. Ouais, c'est vrai, on a on doit avoir un truc comme ça quelque part. Ne fais pas... Ouais, c'est vrai, c'est tout vrai. Tout mon pote, on voit ça tout de suite, on c'est revient. Bon. On revient, la Zik est trop top, man, on arrive tout de suite. Je sais pas. Invitation. Ah ouais, ouais, ça doit avoir un rapport avec les bonnes choses qu'on a fait quand on était en bas, tu vois. Donc il faut se mettre à notre meilleur jour devant ce gars. Ouais, un truc comme ça. Il fallait me dire ça, man. Oh, j'aurais dû apporter la chemise. Ah, on m'a fait. Vraiment, c'est pas vrai, on m'a fait. C'est déplis, ça. Je t'assure. Ah, il fallait me dire. Moi, je croyais que c'était comme. J'ai une idée, man. Attends, je me parle toujours avec un calepin. Ok. On va noter toutes les bonnes choses qu'on a fait quand on était en bas. Uh-huh. Ça va impressionner Pierre. Oui. Il va ouvrir la porte, man. Vraiment, il faut. Ok. Par contre, est-ce que tu croyais en Dieu ou en Jésus? Ça, c'est la première. Crois en Jésus. Ouais, crois en Jésus. Bon, non, je croyais pas en Jésus, mais en tout cas, je n'ai jamais douté de son existence. Ouais, l'expression est ça. Je n'ai jamais douté de son existence. C'est plus ça. Jamais. Je crois. Hein? Okay. Moi aussi, de toute façon, alors. Ok. Alors, mais est-ce que tu allais à l'église, moi? Bon, il faut dire franchement, avec le show qu'il y avait, mais j'allais quand même à Noël, tu vois. Noël, c'est ouais, pas mal déjà. Pâques, oui. Même au funérail, j'étais là. Donc Noël, Pâques, funérail, pareil pour moi. Pareil, hein, bon, je donne ça aussi. Sinon je pense que ça va aller. Ça commence à aller là. Mais est-ce que tu as fait quelque chose d'héroïque? Voilà, quelque chose d'héroïque. Héroïque? Ouais, héroïque, tu vois, héroïque. C'est quoi ça, Bill? De puissant, man! Ah ouais, puissant! Mais il fallait le dire! Ça, il faut que tu notes. Je suis sûr, Pierre va aimer ce truc. Voici comment ça s'est passé. Tu sais, je faisais un safari. Safari. Donc j'étais dans ma voiture, ma Land Rover. Land Rover. Je traversais la toundra. La toundra. Alors que je partais directement vers Moscou. Il y avait des enfants, des femmes, tout ça dans ma voiture. Et puis à un moment donné, il y a un lion qui est sorti de la toundra sur ma Land Rover. Les enfants étaient paniqués, tout ça. Mais avec assurance, je suis descendu de la voiture. J'ai saisi le lion par les griffes. Le plus terrible pour commencer. Donnez. C'est bon. Tu dis pas. Mais c'est une bonne histoire. Je suis sûr qu'il va aimer. Tu vois bien, non? Oui. Il est vieux. Justement. C'est pas un débile. Safari dans la toundra à Moscou. Vraiment, ok, safari dans la toundra. Non, mais je te promets. Oh. Mais toi-même, tu es là, tu me critiques. Ouais, est-ce que j'ai fait un truc qui est bien? C'est vraiment compliqué à faire d'héroïque. Ouais! Oui. Mais oui! Oh, oh. Okay. Regarde, moi que tu vois, j'ai joué Ponce Pilate dans un théâtre à l'école primaire. Bill, toi aussi. Attends, ça, c'est quel exemple ça? Ponce Pilate. Le gars a tué Jésus. Ah, attends, toi tu es allé à l'église que pendant le funérailles. Ponce
Pilate, c'est le gars qui a dit, Jésus, c'est un gars, peace and love, moi je fais rien. Je ne me le dirai pas, je ne pas. C'est pas le plus grand ça. Alors, donc, Ponce Pilate. C'est beaucoup, non? Je pense que c'est. Ouais, ça suffit là, ça déjà tu vois le convaincre. Ouais. Donc, Ponce Pilate, et puis on va voir Pierrot. Ça, ok. Yo Pete, on est là, quoi, tu vois. Tu sais, moi, je sais que vous avez un système de renseignement super. Tout ce que je vais dire là, tu sais ça. Tu sais déjà. Voilà, donc je vais aller vite, bref et concis. Surtout que l'affaire a déjà commencé, tu vois, Pierre, voilà. On rentre. Nous, on n'a rien fait de mal. Ah, tu es calme. On allait à l'église et ça, on aimait ça. Super système, ouais, je t'assure. L'église, c'est super système. C'était bon. Ouais, et puis on a fait du théâtre. Hein. Oui. Ça, c'est, on a fait du théâtre. Tu m'embauches, tu me fais rentrer, tu vas voir, je te pousse. Voilà. Et bon, et puis lui, il a fait un safari. Hein? Non, c'est bon. Tu... Répondu à quoi? À l'invitation. Mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Justement. Tu as dit il faut une invitation. Maintenant tu dis il faut avoir répondu à l'invitation, Pierre. Ça c'est pas. Non, franchement. Non, Pierre. Pierre, là, tu commences à faire des choses, franchement. Il faut la jouer franc avec moi, sérieux. Non, ça c'est sérieux. Non, c'est franchement. C'est vrai, c'est pas mais... normal, Pierre. Non. Attends. Tu. Quoi? Une invitation. Comment ça? Que tu m'as envoyé, que j'ai reçu une invitation. Quand? Pourquoi tu m'as pas dit ça tout à l'heure? Non. Quand ça? Oh non, là, il faut répondre à qu'est-ce que tu as fait. Non, c'est pas ça. Il pleuvait. Uh-huh. Moi, je passais devant une église assemblée chrétienne. Uh-huh. Je suis rentré pour mettre à l'abri de la pluie. Ok. Ah, je ne suis pas allé à l'église. Mais ça, c'est pas une invitation. Quoi? Le gars qui parlait là, le pasteur. C'est pas moi qui parlais, il parlait aux gens qui sont là, c'est pas moi qui parlais. Non, Pierre. Ça, c'est pas une invitation, non, ça, Pierre. Franchement, moi, écoute. Ah, je. Johnny, tu as donné l'invitation à Johnny. Comment ça, quand? Non, attends, c'est parce que tu es vieux, hein. Écoute, Pierre. Non, ça, c'était pas une invitation. Tu sais de quoi il est en train de parler? François, un gars dans mon quartier, il passait son temps à me parler que de Jésus. Il était comme un caillou dans mes baskets, je te dis, tout le temps, Jésus, j'ai donné. Il me cassait les oreilles, ça c'est pas une invitation, Pierre, je suis désolé. Pierre. Moi, les invitations, on ne me donnait pas. Oui, non, il faut qu'on aille au paradis. Voilà, il faut qu'on parle doucement. Pierre, il faut dire que ces affaires d'invitation ne sont pas claires. Franchement. Non, c'était pas clair du non, tout. Pierre. Si quelqu'un, boss, s'il te voilà, plaît. Si quelqu'un était descendu d'ici, hein, il descend d'ici, il va en bas. Oui. Un gars, comme ça, je sais pas moi. Le boss même. Voilà, le boss. Voilà, même. Boss le boss, il descend, il nous a dit voilà, entrer au paradis, oui. il faut. On aurait fait quelque chose avec ça. Direct, ça c'est bon, on discute même pas. Non, qui? Que le boss est descendu? Quand? Quand? Où? Pourquoi? Quel boss? Hein? Jésus! Jésus est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 11 à 12.